Donc bref. On vous surveille. Pas pour vérifier que vous fassiez bien votre boulot, mais pour votre sécurité et aussi la sécurité des citoyens. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Votre gagné, vous allez l'appeler. Et je vais le voir maintenant. Simpson, peux venir s'il te plaît? Monsieur Simpson, vous n'avez pas l'impression de faire des abus de sirène par hasard? Comment? Vous n'avez pas l'impression de faire des abus de sirène? Je le répète une dernière fois. Vous n'avez pas l'impression de faire des abus de sirène quand vous circulez? Ah, il avait je l'ai klaxonné parce que bah il y avait une voiture qui me dérangeait. Pourquoi? Est-ce que cette voiture avait un danger propice? Ah, il m'a rentré dedans, du coup je l'ai contrôlé. C'est bizarre. 5 minutes après, vous étiez déjà en train de rentrer dans le parking. Vous contrôlez vraiment un véhicule? Bah oui. Oh, j'aime pas les gens qui sont pas dans la franchise. Bah c'est mais je suis franc. Bref, j'ai aussi autre chose aussi. Vous n'avez pas l'impression que vous rigolez beaucoup trop avec votre capitaine quand vous êtes en service? C'est très rare quand même, mais ça arrive qu'on C'est m'énerve, pas ce qu'on a vu pour votre dashcam dans votre véhicule, Kenny Simpson. Donc je vous repose la question. Vous n'avez pas l'impression de rigoler beaucoup trop avec votre capitaine? Surtout quand il vous donne des ordres. on peut pas rigoler, D'ailleurs, c'est des sirènes qu'on. dites-moi. Quand. Parce que vous êtes au courant que votre véhicule a des dashcams. Si vous ne le savez pas, les dashcams, c'est des caméras. Pour juste expliquer, Ok, pas courant. on a vu juste quelque chose au niveau d'une boîte de nuit. Vous n'êtes pas aussi en train de mélanger votre vie privée et votre travail? Comment ça? Approfondissez un Ok. peu parce que. Je vais juste voir si votre capitaine l'a suivi. Faites-lui la traduction, capitaine. La traduction, on va dire plus explicite, elle te demande si tu mélangerais pas trop ta vie sentimentale et ta vie travail, quoi. Je vais faire les deux. C'est pas les deux qu'on vous demande. Quand vous êtes en service, Cathy Simpson, vous êtes en tant qu'agent, votre compagne ou si je sais pas si vous êtes marié ou votre copine, c'est juste votre copine. Et quand vous êtes en service, elle est citoyenne comme tout le monde. Je l'ai compris, c'est ça. C'est pas ce que vos dashcams ont filmé. Je sais faire les différences. C'est pas ce que les dashcams ont vu. Ah, dites-moi s'ils ont vu, vas-y, allez-y, pardon, dites-moi. Ils ont vu tout simplement que vous approchez beaucoup trop et que vous avez trop de familiarité pendant que vous êtes en service. D'accord. Votre copine, vous devez la traiter comme une citoyenne quand vous êtes en service. C'est ce que je fais. Même mon capitaine peut vous le dire. Sauf que les caméras ne trompent pas par rapport à un humain qui peut mentir. Donc à partir de maintenant, c'est juste un avertissement oral pour vous, Cady Simpson. La prochaine fois que votre dashcam filme ceci, ou que vous éteignez votre dashcam, ça sera obligation de rendre votre plaque et votre arme de service. Est-ce que je suis bien clair, monsieur? Oui, tout à fait.
Dites-le à votre capitaine! Bon, ouais, capitaine, je ferai attention à ce que je vais faire maintenant. Monsieur Simpson, vous connaissez la devise de votre police? Votre devise? Comment? La devise de la police? À surveiller les citoyens, hein, c'est pas ça? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, c'est vrai que c'est une devise, ça. Monsieur le capitaine, vous n'êtes pas censé leur apprendre leur devise? Quand vous recrutez? Donc ça, monsieur Simpson, c'est tout simplement une preuve que vous n'êtes pas attentif pendant votre service. De ce que j'entends, votre capitaine vous l'a dit plusieurs fois. C'est vrai. Donc, capitaine, je vais vous demander de lui répéter une dernière fois. Par contre, ça sera vraiment la dernière fois. Votre devise, c'est PG et servir. Agir, Pas ça. plus simple, y a pas plus compliqué. Je vais le noter sur ma tête. De le noter. C'est surtout de s'en souvenir. Je vais essayer de faire en sorte de m'en souvenir, mais je vais le noter dans ma petite tête, me l'imprimer. Donc, désolé si je suis un petit peu direct avec vous, mais ça fait je sais pas combien de fois que je passe dans ce poste de police. Ça fait déjà deux fois. La première fois pour votre capitaine. Et là, c'était surtout pour vous, monsieur Simpson. D'accord. D'ailleurs, je vous félicite, monsieur Renfort. Vous faites des efforts. J'espère que ces efforts vont continuer. Mais faites-vous respecter par vos recrutements, par vos cadets, par vos collègues. Je vous demande pas de faire des bavures policières avec vos collègues. Mais c'est le moment où vous vous faites respecter. Quand ils font des bêtises, par cadre. Là, j'espère rien. Monsieur Simpson, ce que je veux, en vous disant ça, c'est que vous marchez droit. Que vous écoutez votre capitaine. Quelque chose, je l'écoute, hein. Oui, mais que vous ne rigolez pas trop. Vous êtes cadet. Quand je vous disais de tenir de prendre vos disciplines, être cadet, c'est montrer à votre capitaine tout simplement ce que vous êtes capable de faire. Pas forcément être à ses baskets. Tant que vous y êtes, vous allez lui cirer les chaussures aussi. Vous allez lui En faire fait, ses là, toi aussi. Lacets? Bah ouais. J'attends qu'ils me C'est pas une donnent réponse, mes Sam. autorisations. C'est pas une réponse, monsieur Simpson. J'attends qu'ils me donnent mes autorisations pour que je puisse faire mon. Rappelez-les moi, il me semble qu'il est cadet confirmé, monsieur. Enfin. Oui, parce que quel stagiaire ce n'était. Plus adapté à lui. Ok. On va commencer à faire Donc, ses preuves. un cadet stagiaire est censé écouter son capitaine et attendre que son capitaine soit là pour prendre son service et pour prendre sa patrouille. En tant que cadet confirmé, vous devez prouver à votre capitaine ce que vous êtes capable de faire. C'est-à-dire prise d'initiative, si tu vois ce qu'elle veut dire. Vous n'êtes pas obligé d'aller lui demander si vous prenez pour prendre votre service. Vous prenez votre service, vous dites à votre capitaine comme quoi vous avez pris votre service. Voilà. La seule chose que votre capitaine a à faire pendant que vous êtes cadet confirmé, c'est de vous dire dans quelle zone vous allez patrouiller. C'est tout. Et encore, les zones à patrouiller, c'est assez vaste.
À part quand on est vraiment en état d'alerte. Là, il y a un état d'alerte qui a été mis, mais il va être bientôt terminé. Est-ce que vous avez bien compris? Monsieur Renfort, je voudrais que vous me fassiez une promesse. Que ce soit la dernière fois que je redresse un cadet, ou même un agent en général, ou même vous. J'espère que quand je reviendrai dans le poste de police, que ça sera juste uniquement pour faire des réformes de règles. Et parler de la ville. Se passer des infos. Et pas pour redresser un cadet. Qui d'ailleurs confirmé. Je pense que Monsieur Simpson, vous n'avez pas trop envie d'aller à l'armée refaire un parcours du combattant. Parce que oui, j'ai vu votre dossier. Hein. Monsieur Renfort fait les dossiers quand il recrute quelqu'un et je sais que vous étiez dans l'armée avant. Eh oui, mais ça nous faisait mieux. Ah, pourquoi vous n'êtes pas resté dans l'armée alors? J'ai dû arrêter pour passer à une certaine. D'accord. Et dès que j'ai mis l'action, bah, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Le seul service qui est disponible en Bah, cette ville, c'est la pourquoi. CIA, en tant qu'armée. Si vous voulez rentrer un jour dans notre service, montrez des initiatives à votre capitaine. Montez en garde très rapidement. Et là, peut-être que vous pourrez poster une candidature. Mais pas avant. Bon, sauf que là, pour l'instant, on ne recrute pas, mais voilà. Est-ce que vous avez bien compris, vous deux? Monsieur Simpson, quand votre capitaine vous donnera un ordre, désormais, c'est pas de question. Vous y allez. Par contre, évidemment, quand vous trouvez que ça peut être dangereux pour vous. Si par exemple votre capitaine, parce que c'est pas parce qu'il est capitaine, c'est pas parce qu'il est haut gradé, qu'il ne peut pas faire des erreurs, si vous pensez que pour vous ça peut être dangereux, faut lui dire. Et c'est pareil, capitaine, mais bon, ça je pense que vous êtes censé le savoir. Évidemment. Allez, ok. Il y aura d'autres règles du gouvernement qui vont changer. Sur enfin. Bon, en ce sens, c'est encore de construction. Je vous laisserai mettre ce qu'on s'est dit vite fait dans les lois de votre côté sur votre service et la LAPD, pas sur le service de la ville. Histoire que votre cadet enregistre bien ce qui a été dit aujourd'hui. Et vous? Et même vos futurs recrutements. De toute façon, aujourd'hui, c'est simple. Mais c'est juste tout simplement que c'est entre 19 ans à 21 ans, pas de PPA. Et ceux qui sont en dessous de 19 ans, pas de PPA de arme blanche. Et pas de PPA de arme à feu. Je pense que c'est pas trop compliqué pour vous, monsieur enfin. Mais non, ce n'est pas compliqué. Quand vous aurez fait ça, je publierai ce que vous avez fait sur le truc de la ville.
Sur ce, messieurs, bonne patrouille. Quittez votre service en un seul morceau. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pour ce que j'avais demandé tout à l'heure, est-ce qu'on peut y faire maintenant ou D'accord. pour l'achat de la pétoire Oui, mais il m'en dit quoi pour déjà? je puisse acheter une pétoire. Théoriquement, je suis censé passer par un collègue, mais c'est pas un... c'est au grenier. Écoutez, exceptionnellement, je vous autorise à l'acheter, mais vous mettez tout ce qui est achat d'armes, ça va dans la banque 911 pour le coup. C'était déjà marqué dans l'arrêt concernant l'achat d'armes. Donc, tu vois, vous faites tout dans les règles, c'est nickel. Et pour parler dans le passage PPA, c'est toujours vous hein, qui les faut. Pas un cadet. Les cadets ne sont pas. Un cadet n'est pas habilité à c'est enfin, à faire passer un permis de port d'armes. C'est bien. Je vois que vous enregistrez bien, dis donc. La première rencontre, c'était pas. La première rencontre, monsieur Renfort, c'était pas top top, hein. J'espère que vos efforts vont continuer. J'espère juste que vous n'allez pas faire comme un certain Riggs qui a failli pour se faire virer avant qu'avant de finir comprendre. Sérieusement, il y a un capitaine, le capitaine Rex a été oublié. Il a été mis à pied quasiment dans 2-3 fois. J'espère que ça vous arrivera pas.